Nous avons maintenant la possibilité, un portail de destination qu'on va relooker effectivement cette année, mais qui fonctionne déjà avec 1 500 000 visiteurs. Là où on a des bons guides prix, etc., qui offrent de l'offre packagée à acheter, mais aussi des émotions et des expériences à vivre. On est bon maintenant sur tous ces outils qui sont à distribution de tous les acteurs touristiques. Ce qui nous manque et que nous avons vraiment des marges de progrès à faire, c'est encore la distribution très forte sur tous les réseaux, elles sont dans les maisons de France, etc. Et on va s'y employer. Mais surtout, c'est la capacité de tous nos réceptifs du territoire à faire remonter de l'offre thématisée, complexe, pour tous les sociotypes touristiques. C'est l'avenir des destinations, ce sera la qualité de l'offre. Voilà. Donc on a un gros travail à réaliser. C'est la raison pour laquelle nous organisons des clubs filières, nous apprenons avec des spécialistes, nous regroupons en séminaire les acteurs touristiques qui le veulent, pour mieux accueillir ou mieux packager de l'offre historique, nature, nautisme.